sommes, il est 5h du matin, nous sommes place des prêcheurs comme prévu et Abel et Arnaud sont là, prêts pour partir sur un parcours de 60 km autour de la Sainte-Victoire. Alors comment vous vous sentez les gars? Très bien, super, la météo est top, donc ça c'est l'essentiel. Ouais. Il fait bon et voilà, on est chaud, on est prêts, on est motivés. Ouais, ça annonce une bonne journée là, on va se régaler là. Normalement tout est là pour qu'on se fasse plaisir quoi, ça va être bien. Vous êtes bien réveillés, c'est bon? Oh, le réveil d'ici encore une petite heure, après ça va aller. Ouais, non, c'est bon, on est prêts là. C'est bon, ça va aller. Super, alors on va les voir partir et on les retrouvera à plusieurs étapes de leur parcours. Et on verra s'ils vont assurer les 8 heures pour les à peu près 58 km. Exactement, ouais, 59, ouais. Si on se perd, on verra. Voilà, il faut pas qu'ils se perdent. Grosse difficulté de la journée. La première difficulté de la journée. Allez, sommet. Direction Pic des Mouches. Tellement qu'elle est belle la vidéo. Allez mon Pic des Mouches. Elle est où la mouche? 26 km. Là-bas, Bonnargues, et avant tout là-bas, au Mont Aix, la rue Minier. Ça va, ici c'est possible. Allez, descendre depuis l'oubli. Abel, toujours en course. Kilomètre 40. À 25 minutes de ravitaillement de notre Sainte-Victoire. Suivi de près par les deux Nicolas. Allez, hein. Allez, courage les gars. À tout à l'heure. On y est, il est 11h20 et la team arrive au dernier point de ravitaillement. Ça a l'air dur, comment ça va les gars? Chaud. Très chaud. Et vous qui avez commencé plus tard? Chaudement, mais ça pourrait être pire. Heureusement qu'il n'y a plus hier. Mais il reste combien du coup? 15. 15 bornes, ouais, 58. Mais c'est le plus simple là, c'est bon. C'est fini. Bah bon courage pour la suite en tout cas. C'est de la bonne les gars? Dernière montée avant le plateau Biémus. Nous en sommes à 19 km.
Abel 51. Il envoie. Il court comme un cabri devant. Abel net. 2,5 km avant l'arrivée. Votre ressenti. Net comme si elle avait fait 15 bornes. Pas trop frais mais tonique. Le rock, le lion, l'ours, le sanglier à sa victoire. Last kilometer to finish. Ah ben la net, les 100 derniers mètres. Paris tenu. Défi relevé à Belle. 7h59. Défi relevé à Belle. Ouais, 7h59. C'est bon ? C'est bon. Oh, c'est bon, on a gagné. Bravo les gars. Et comment ça se fait que vous êtes que deux là ? Alors, Nicolas et Anthony, ils ont un peu plus de mal dans la dernière montée. D'accord. Donc, ils vont arriver d'ici 2-3 minutes. Ils sont pas loin. D'accord. Voilà. Bon, bah, c'est bien. Félicitations. Merci, merci à vous hein, pour les encouragements. Ça aide. Hein. C'est tout pour Abel. Hein. C'est tout pour Abel. La dernière 1h30, dernière 1h30, après qu'on vous ait laissé à la maison Sainte-Victoire, donc Saint-Antonin sur Bayon. C'est vrai qu'on commençait à sentir la chaleur sur les rochers, même s'il y avait quand même un fond d'humidité grâce à la pluie qu'il y a eu cette nuit et hier. Donc on avait bien chaud sur la fin, dernière montée. Après Abel, ça l'a porté le fait qu'on l'accompagne aussi. Il a très très bien fini. Voilà, pour quelqu'un qui a fait 55 bornes, 60 bornes, il a super bien fini. Et après la dernière descente, les 4 derniers kilomètres, fait juste dérouler. Voilà. Donc il a géré, on a fini en moins de 8 heures, objectif atteint. Pour Abel, moins de 8 heures. On a mis le temps. Parfait, super, merci. Ouais, super, ils ont fait un super défi pour MVDC. Félicitations les gars.